Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Minecraft Lino Alors c'est le moment de continuer notre aventure dans ce jeu magnifique La dernière fois, on a terminé la construction de notre chère salle d'eau, c'était magnifique Et là, il y a un bonhomme ici qui doit disparaître. Waouh! Wow! Voilà, perfecto! Alors, euh, plusieurs d'entre vous veulent que je fasse des trucs intéressants comme poser des fenêtres parce que je n'en ai pas. Je l'avoue, c'est un petit peu laid. Mais le truc, c'est que j'ai un gros projet pour les fenêtres et il faut que je fasse ça à la fin lorsque je construit la maison au complet. C'est pour ça que je ne mets pas de fenêtres pour l'instant. Et ouais, cette pièce est super belle. Il manque juste un lavabo et euh, un miroir et peut-être une petite fontaine. Je sais pas ce que. Ben, ouais, je sais vraiment pas. Que je vais faire plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'agrandir cette maison. Alors, on va passer à l'action dans quelques instants. On va construire une cuisine. Ça va être magnifique. Alors, la première chose à faire, c'est dormir parce que là, le soleil est en train de se coucher. Et ouais, c'est ça, est ça. Il y a aussi le fait que poser des fenêtres tout de suite peut me causer du temps. Par exemple, euh, je construis une pièce, je mets des fenêtres là, et là, tout de coup, je mets. Une autre pièce. Ben, je construis une autre pièce derrière la pièce où ce y a les fenêtres. Et là, à la fin, euh, ça sert à rien les fenêtres. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je préfère tout construire. Et à la fin, euh, je sais vraiment où bien mettre mes fenêtres. Et en fait, je travaille pas pour rien. C'est juste ça. Il y a aussi le fait que j'ai retrouvé des blocs de magma dans le nether la dernière fois. Vous vous rappelez, on est allé dans le nether pour farmer du quartz. Et bien, on a retrouvé des blocs de magma. Et je les ai farmés parce que je voulais faire un joli jacuzzi. Ça allait être super cool, mais à la fin... J'ai décidé de laisser faire, mais le jacuzzi va se faire. Mais c'est juste que je vais pas utiliser les blocs de magma parce que plusieurs d'entre trouvé ils sont comme... Polo Polo, n'utilise pas les blocs qui sont là Ce n'est pas bon, ça va t'attirer dans l'eau Utilise plutôt des sables, des armes, ça va te repousser vers le haut. Si, si on met ça comme... Dans, dans l'eau, voyez ce que je veux dire Donc, en gros, j'ai farmé les blocs de magma pour rien, mais je vais me construire une salle de torture avec ça. Ça va être super génial, mais ça va pas aller dans ma maison. Pour obtenir une belle cuisine, selon moi, il faut de la pierre lisse. Alors, euh, je vais prendre cette roche, et je vais la cuire, en fait. C'est comme ça qu'on a de la pierre lisse il me semble que c'est comme ça. Je ne suis pas sûr à 100%, mais on va voir ça. Si c'est vraiment comme ça, il faut vraiment que j'en cuis beaucoup. Et s'il si faut vraiment que j'en cuis beaucoup, je crois que je vais me confectionner un peu plus de four pour accélérer le processus. Mais il faut juste que je vérifie ça. Alright, les potos. L'heure est venue de se confectionner un peu plus de four. Alors, peut-être... Euh cinq fours ça doit être correct ouais selon moi cinq fours c'est Tiguidou. alors on va déposer Isito amigo oh oh, oh yeah. ok ouais alors, on va dire que lui c'est le chef des fours je suis en train de dire des conneries c'est pas incroyable parce que là il me faut quand même assez de roches et là je vais cuire du cobblestone aussi comme ça j'ai plus de rush Et ouais ça va être long mais c'est ça des trucs qu'il faut faire et là euh, il me faut un peu plus de charbon je crois que je vais utiliser tous ces blocs de charbon hein? Ouais, ouais, ouais. Mais bon, en tout cas, ici on va cuire du cobblestone. Ici on va cuire euh, du cobblestone. Et, euh, euh, ouais, ouais. Il me faut un peu plus de cobblestone en fait. Ma bad brothers, j'ai pas pris assez de cobblestone. Et là, ici, on va cuire. Euh... Ben attendez, on va mettre le charbon. Tu quoi, je devrais juste en mettre une tonne parce que je sais que je vais réutiliser, réutiliser, réutiliser ces trucs-là. Alors, ouais, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Donc, ici ça va être la roche. Et là, euh, ici, ça va être euh, la roche, parce que là, même si j'en cuis plus que ce que je pense, mais plus que ce que j'en ai besoin plutôt, ce n'est pas si grave que ça, parce que j'ai une tonne de cobblestone ici, et je peux avoir des, comme des roches à l'infini, et puis. Ouais, en avoir plus, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir assez de, de, de roches, hein. En attendant que Gordon Graham dit sous chef cuisent la roche pour faire de la pierre lisse, on va faire en sorte que la cuisine se construise bientôt. Ben, oh, on va commencer les étapes. Alors, ici, il y aura un mur normal. Attendez, comme ça. Voilà. Hiya! Hiya! Oh là là là. Ok, non, ça, ça va être dur. Ah, ben non, c'est pas aussi dur que ça. Qu'est-ce que j'ai là? Donc, c'est ça. Là, il y a un mur. Et ensuite, on va allonger le couloir, ici-tôt euh, Jusqu'où? Ça c'est la question, le truc c'est que Comme je l'ai dit à plusieurs reprises Je n'ai pas de plan en tête Alors on va voir ce qu'on peut faire, mais en gros On va allonger le couloir et... On va l'allonger Je crois que quelque chose comme ça c'est correct pour l'instant Mais plus tard je vais l'agrandir Si je dois l'agrandir, je veux construire ma cuisine juste Ici. Alors on va aller chercher les roches qui sont prêtes et là. Euh... Hey, Ruben, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas là, mais il devrait retourner dans son enclos avant que j'aille le chasser parce que si je le chasse, il devient du porc cru. Et, ouais, et je crois pas qu'il va y devenir du porc cru. Hein? Bon, euh, ouais, ça va prendre du temps pour obtenir ces pierres lisses là, alors. On se revoit dans deux minutes. Alors j'ai récupéré le plus de matériaux possible. J'ai 64 pierres lisses ici et 35 pierres lisses ici. Mais là j'ai fait recueillir des cobblestones par-ci par-là et de la roche par-ci par-là. Donc on peut commencer les travaux. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler, mais qui ne commence rien à rien. Ouais, et là euh, le soleil va se coucher encore, mais je suis sûr que je peux faire des trucs. Alors tout d'abord, euh, on va se construire le plancher. Ouais, ça peut pas être en bois. Parce que là, lorsqu'on cuisine... Il y a de l'eau qui s'éclabousse partout. Il y a aussi, euh, comment ça s'appelle? Attends, si je détruis ça, ça devient de la roche lisse encore, hein? Euh, ben, de la pierre liche. Liche, lisse. Ah! Ah! J'suis en train de dire des conneries. Mais ouais, en tout cas, quand on cuisine, il y a beaucoup d'eau qui font boum, 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 boum. Si on met du bois, il y aura de la moisissure. Si il y a de la moisissure, ma maison ne vaut rien. Donc, euh, ouais, il faut faire attention. Il faut bien euh, construire notre maison. On peut pas faire n'importe quoi. Et là, euh, j'arrête pas de mettre des blocs. Ah! Que la construction est dure. Mais bon! Je m'en vais dormir. Et ouais, c est, c est. En plus, euh, j'ai même pas pris ma pause de jeûne, c'est vrai. J'ai tellement travaillé pas aujourd'hui que j'ai complètement oublié de manger. C'est comme ça qu'on construit des maisons, n'est-ce pas? Je trouve que c'est pas assez gros parce que j'avais prévu de mettre un comptoir ici. Pas une table, mais comme un comptoir où qu'on peut manger. Je sais pas comment dire ça, mais vous allez voir ça. J'avais prévu aussi de mettre un frigo là, un four, le haut fourneau, le fumoir. Four euh. Et. Oh, en fait, c'est assez gros, mais je sens juste que je vais être crampé. Ouais, vous savez quoi? On va l'allonger encore un tout petit peu en tout cas. J'ai une tonne de cobblestone par-ci, par-là. Là, 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 euh, pourquoi pas? Et là, ensuite, je vais allonger le couloir aussi. Ne vous en faites pas. Je crois que. Attendez. Quelque chose comme ça. C'est magnifique, non? Quelque chose comme ça, c'est assez gros pour une cuisine? Oh! Euh. Ouais! Ouais, je crois que. Non, je vais. Lorsque je... Lorsque je vais mettre des murs, je me sentirai crampé. Et en plus, ici, là, faut pas qu'il y ait du bois. Il faut qu'il y ait de la céramique. Alors. Ah, je vais. En fait, je crois que je vais faire ça comme ça. Ouais. Faut toujours que je recouvre le tout. Oh oh! Chaque petit détail compte, les amis. Vous allez voir, cette maison-là, je vais la vendre cher si j'étais dans un serveur multiplayer, là. Oh! Je peux vous garantir que... Eh, hey, attendez, est-ce qu'on peut vendre nos maisons dans un serveur multi je, je sais pas, j'ai jamais essayé ça. No, 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 no. Mais bon, comme vous l'avez vu, je n'ai plus de pierre lisse, malheureusement. Mais ici, j'ai une tonne de fonds qui font le boulot. Alors moi, je suis super content. J'arrête toujours de la roche, j'aurais toujours décidé ça, ça va être super génial. En gros, je peux juste euh, remettre de la roche ici lorsque le cobblestone se fait que un peu la même chose ici ah il faut remettre un peu de charbon oui non pas de charbon pas de roche c'est c'est ça bon, en tout cas ici encore merci beaucoup on peut recommencer à travailler si j'avais seulement un four là je vous le dis tout de suite j'aurais été dans le caca ce n'est pas une bonne chose mais bon je, je suis sûr que la construction de cet endroit va se faire rapide presto alors euh, donnez-moi une seconde je vais juste faire ça comme ça voilà -ya bon ok et là si je mets des murs ici. Oh, je me sens un petit peu crampé, hein. Ah, oh, c'est. Ouais. En fait, le truc, c'est que je pourrais je euh, faire ça un peu plus loin. Comme un peu plus gros. Ouais. C'est ce que ça va toucher les chiottes et je veux pas que ma cuisine touche les chiottes. Mais ça se fait souvent dans les maisons normales, non? Ouais, je sens que quelque chose comme ça, ça va être magnifique. Est-ce que je pourrais faire aussi? C'est faire euh, une pièce de rangement de bouffe. Comment on appelle ça encore? Le, le walk-in pour la bouffe. Je sais pas comment on dit ça en français. Mais en gros, c'est une pièce comme une armoire où on peut ranger les boîtes de conserve, des trucs comme ça. Alors, ouais, je vais faire ça. Avec les quatre blocs collés au shot. Ouais, et ben, on va offrir une petite couche de protection comme ça, là. Et je n'ai plus de roche encore, là. Vous savez quoi? Il faut vraiment que je cuis une tonne. Une tonne. Mais vraiment, une tonne de roche et de pierre lisse. Uh, ah, ben. Ouais, c'est ça. Il faut, faut vraiment cuire tout ça à longueur de journée. C'est faux. J'ai pas envie de faire une tonne d'aller-retour, alors. Vous savez ce que je vais faire? Euh, je vais pas construire plus de four. Mais. Euh. Il faudrait que j'aille chercher du cobblestone. Donnez-moi une seconde. Donc, on va prendre tout ça de cobblestone. En gros, je vais faire ça comme ça. Ça comme ça. Euh. Attendez. Euh. Désolé, ça comme ça. Je vais cuire le plus de trucs possible. Et ensuite, je vais partir dans le nether. Parce qu'il faut que j'aille farmer euh, du quartz pour le futur. Parce que là. Euh, il faut que je me construise d'autres toilettes dans ma maison. Hein? Dans une belle maison de luxe il n'y a pas seulement une toilette, alors. Ouais, il faut que je reparte à l'aventure, alors. On va cuire tous ces trucs. On va mettre du charbon dans les endroits où j'ai besoin d'en mettre. Comme ça, attendez, voilà. a ensuite, on peut partir à l'aventure et risquer notre vie pour se construire une autre toilette dans le futur. Parce que là, je vais vous dire quelque chose. Moi, là, je veux au moins trois toilettes dans ma maison. Si je n'en ai pas trois, moi, je serais super méga ultra triste. Alors. Euh, je fais ça comme ça, je prends tout ce qu'il y a là, voilà, et ensuite, je peux partir à l'aventure. Let's go Alors, nous sommes de retour dans cet endroit maudito, amigo, let's go J'espère juste que je vais pas crever, là, euh, j'espère que j'ai démontré... Hey Est-ce que je peux mettre des dalles ici comme ça Oh Oh, je peux utiliser des dalles, c'est beaucoup plus efficace, voyons donc Alors, on va fermer du quartz parce que j'en aurais sûrement besoin dans le futur Puisque là, le truc c'est que j'ai pas envie de faire une tonne d'aller-retour entre ma maison et ma base. Ma base est, qui est l'endroit où il y a les fours et, et tout ça là. Oh yeah voilà. Donc j'ai pas envie de faire une tonne d'aller-retour à longueur de journée juste pour construire ma cuisine. Au lieu de ça, je vais farmer dans le nether. Et ensuite, quand je vais revenir, eh ben tous mes trucs seront fondus. Tous mes... Ben, fondus. Tous mes trucs se seront transformés... En roche ou en pierre lisse et de cette façon je peux travailler beaucoup plus euh, efficacement si je peux dire ça comme ça. Dans la vie les potes il faut penser dans le futur il faut pas seulement penser au présent parce que si on ne fait que vivre le jour le jour eh ben un jour lorsqu'il y aura des problèmes eh ben on va se faire giger les bouboules là. Oh attendez une seconde il me semble que j'ai vu euh, le sable des âmes dont je vous parlais là à un moment donné. Je vais aller farmer ça dans quelques instants, mais avant tout, ça là, c'est méga ultra important. Si j'ai pas ça dans la vie, là, je parle du quartz, là. Voilà. <laughs> c'est comme si j'ai fait ce voyage pour rien parce que je suis vraiment venu pour ça, là. Dès que j'en vois, faut que j'en farme Mais ouais, euh, j'ai eu des mauvais souvenirs avec ça. Je me rappelle, je suis allé là et puis tout c'est kaboum à un moment donné. Oh. Attendez. Oh. Oh, mais je me rappelle, je suis tombé dans la lave à un moment donné. Mais voilà, les sables des damnés. C'est ça Sable des damnés c'est ce qu'il me faut, n'est-ce pas? Sable des armes et sable des damnés. J'espère que c'est la même chose. J'ai pas envie de farmer le mauvais truc, les amis. J'ai fait quelques recherches et c'est bel et bien ce que j'ai besoin. Alors, let's go! En passant, j'ai besoin de ça pour faire mon jacuzzi. C'est tout ce que je voulais vous dire, hein? Alors, j'espère que je ne fais pas de conneries. Parce qu'il me semble, à un moment donné, que je suis tombé en farmant ceci. Je suis passé à 100% là, mais en tout cas, ça me fait peur. Avec 17 sables des damnés, je crois que je peux me faire un joli jacuzzi, hein? Mais je vais en farmer plus, parce que il me semble que euh, je peux invoquer le Wither avec ça. Ouais, j'ai fait quelques recherches juste tout à l'heure, pendant que j'ai fait la coupeur de vidéo, alors je vais farmer le plus de trucs possible, comme ça j'ai le meilleur Jacuzzi au monde qui va coûter 4 millions de dollars! Oh! dit, oh, si. ma maison là vaudra plus qu'un milliard. Si ça vaut pas le plus qu'un milliard, moi je pleure et puis je saute par la fenêtre. Est-ce que c'est moi bon, ou bien je vois comme des têtes de. Euh, comme... Ouais? C'est pour ça qu'on appelle ça des sables, des âmes, des sables, des damnés. Oh! Yo, ça fout les jetons quand j'y pense! Oh my god! Au début, j'avais pas remarqué ça. À moins que c'est moi qui imagine trop. Mais! De loin, on dirait que je vois des âmes. Ah! Oh, c'est nasty, my brothers. Mais bon, j'ai assez de de sable, de je sais pas quoi. Et on part à l'aventure pour chercher encore plus de quartz pour notre prochaine toilette. Et quand j'y pense, il n'y a pas de pompier dans cet endroit. C'est moi qui dois faire tout le boulot. <laughs> non mais, je crois que c'était ça le truc qui faisait en sorte que je tombe dans le vide. Oh, euh, je suis pas ça, ça n'a pas je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que euh, je suis allé dans le Nether. Mais comme la, la dernière fois, lorsque je voulais m'aventurer pour terminer le jeu, vous savez, pour tuer le dernier boss et tout. Mais bon, en tout cas, avec ça, j'ai combien de quoi oh, oh, ok, non, toi tu m'as. Oh ah! Non, 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 my brother, ok Yo, je suis en train de risquer ma vie pour me construire une maison Les gens là sont comme Hey, pourquoi tu es allé dans le nether La plupart des gens sont comme Oh, je suis un aventurier, je veux tuer le big boss Moi je suis comme, je veux me construire une maison à 4 millions de dollars <laughs> Ouais Les potos, je suis dans le caca Il y a un petit parent qui veut ici attendez oh, yeah! Hoya oh, yeah! Hoya eh? Hein Are you scared my brother oh! Je crois que j'ai un timing là! Je me rappelle dans le temps j'avais pas le timing. Oh my god, son frère il veut savoir. Oh oh oh! Hein? Il est comme.. Yo! Yo, my brother! Qu'est-ce qui s'est passé avec my brother? <laughs> Allez, viens pas me voir, s'il te plaît, frérot. Je n'ai vraiment pas pensé que j'allais me perdre comme ça là. Je vais mettre des torches ici et là pour que je puisse retrouver mon chemin à partir de maintenant. C'est un petit peu trop tard, mais <laughs> ça c'est J'ai pas le choix. Il faut que je continue à farmer du quartz, en tout cas. Je vais farmer ça jusqu'à ce que je retrouve le chemin. Eh, 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 eh. Les potos, c'est la forteresse, n'est-ce pas? Oh, oh, oh eh, je veux pas aller là tout de suite, j'ai crevé. Oh, what? Je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Les amis, j'ai passé deux heures à farmer du quartz. Est-ce que vous êtes sérieux? Le truc, c'est que, regardez. Il me faut quatre stacks de quartz pour avoir un stack de blocs de quartz. Ça m'a pris du temps pour avoir tout ça, c'est fou! Et ma pioche, là, est quasiment capote. Alors je crois que c'est l'heure de rentrer et puis je vous rappelle. De cette forteresse, à un moment donné, je l'avais vu là, la, la dernière fois, mais de super loin Si c'est la même forteresse, je devrais être en mesure de rentrer à la maison Mais si c'est pas la même forteresse, moi, je suis dans le caca, man. Mais, chers du monde entier, je peux vous confirmer qu'il y a plusieurs forteresses Ici, il y en a une, et là-bas, il y en a une Alors... Cela ne veut pas dire que je vais rentrer chez moi bientôt. Oh my god. Attendez une seconde, ces dalles en bois. Oh, oh, je m'en rappelle, oui. C'est lorsque j'étais au début de, de la vidéo. Vous vous rappelez, à un moment donné, j'ai mis des dalles ici pour descendre. Oh, je crois que j'ai retrouvé mon chemin. Et là, j'arrive pas à sauter. Oh my god. Oh, Maddoun. Mais bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que le portail est juste à côté. Donnez-moi une petite seconde. Oh, regarde. Oh yeah. Oh mon dieu! Ça m'a pris une heure et demie pour retrouver ce portail. Vous savez quoi? Il faut que je note les coordonnées de cet endroit parce que là là, ça va faire les poteaux En gros, on est dans, on va dire, moins 11, 67, moins 30. OK. Moins 67 moins 30. Ok, c'est bon. Parce que là, là, c'est abusé. J'ai passé 3h30 dans le nether. Vous savez combien de temps j'avais prévu de passer là-bas? Un petit 10 minutes? Pour, pour laisser les roches euh, comme se faire cuire et tout Et là WHAT Vous n'êtes Vous n'êtes pas sérieux Ben non, ben non. Re, regardez tous les Je suis allé dans le nether pour rien Cela veut dire que plusieurs d'entre vous, étaient comme Polo Polo ne va pas dans le nether Tes cobblestones et tes roches ne vont pas se faire cuire Si tu t'en vas voyons donc Oh je peux tout de suite vous dire que je vous entends crier en ce moment, en train de me dire, Polo, t'as fait une erreur! Oh! En tout cas, euh, disons que je me suis préparé pour le futur, ouais. Euh, avec tous ces blocs de quartz, je pourrais me construire des toilettes de la moitié. Ben, des salles d'eau de la moitié. Ça m'a pris une tonne de temps pour former ça. Regardez ma pioche là! Il est complètement capote! Alors, c'est l'heure de la réparer. Alors, je me demande qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que je répare ça avec du diamant? Comme ça? Oh my god! Non, c'est tellement pas worth it! Non, 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 c'est pas worth it! Ce que je vais faire, euh, c'est faire un truc que plusieurs d'entre vous m'ont appris. En gros, euh, donnez-moi juste une seconde. Il faut faire une pioche en diamant. De ce genre. Et ensuite, je les combine les deux. -ya! Je perds mon enchantement! Oh! Ok, attends, mais si je fais ça dans l'enclume, ça devrait être correct. Oh, ok. Et hey, c'est beaucoup plus efficace. Alright. Ok. En gros, j'utilise un diamant comme ça avec la pioche. Si c'est juste un petit peu capote. Mais si c'est complètement capote, c'est mieux de faire le truc que je viens de faire parce que là, j'ai juste utilisé trois diamants au lieu de quatre. Est-ce que vous la sentez celle-là? Le champ de travail qui m'attend. Oh ça va faire tellement du bien J'en ai marre du nether les potos Ben c'est pas que j'en ai marre mais plutôt que j'allais dans le nether pour euh, le futur On va dire et ouais j'ai suis complètement bien à la cuisine mais bon En tout cas, oh! Attendez, attendez, ici là euh, Il faut une porte qui me mène Vers euh, vous vous rappelez, j'avais dit que j'allais faire une armoire à bouffe, là. Alors, Un euh, walk-in closet. Un walk-in bouffe closet. On va appeler ça comme ça. Alors, il faut que je mette des portes, mais je sais pas où. Ça devrait être dans le coin, alors. Ici, peut-être? Non, non, non. Ça va être ici. Alors, il y a deux portes qui vont me mener vers le walk-in. En gros... Ça devrait être comme ça. Ouais, 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 ouais. En tout cas, vous allez voir les résultats dans quelques instants. En gros, ma cuisine va ressembler à ceci. Je ne vais pas mettre de pierre ici parce que je veux que le tout soit à air ouverte. C'est beaucoup plus beau. Alors, euh, ensuite, dans le walk-in, ça peut être en bois. Ouais, 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 le tout peut être en bois. Donc, en gros, je peux recouvrir ça comme ça. Et faire en sorte que tout soit en bois, et après on recouvre le tout et ça va être TIGIDOU! Encore une petite touche et voilà c'est terminé! Le walk-in pour mettre notre bouffe Oh! Oh! Désolé, j'avais laissé un petit trou ici. Alors le walk-in est terminé, il faut juste mettre des portes et là c'est vrai, j'ai complètement oublié de confectionner des portes. Mais c'est l'heure de la pause déjeuner! Miam, miam! La pause déjeuner est terminée et maintenant ce qu'on va faire c'est... hi Voilà! Et ensuite, c'est vrai, il me faut une lampe de redstone. Parce que là, sans lampe de redstone, euh, ben en fait, pas pas lampe de redstone, euh, lanterne normale. Ouais, ouais, ouais. Alors, il me faut du charbon, si je me rappelle bien. Euh... Et quand, comment on fait ça encore? Euh, je vais vous dire quelque chose, j'ai complètement oublié. Ah! Ok, non, non, c'est vrai. Il me faut ça. Je fais ça comme ça. Et ensuite, je fais ça comme ça. Oh, ok, j'ai une très, très, très bonne mémoire. <laughs> Alors, ah, oh, c'est vrai, il me faut... Euh, un truc là pour, pour l'accrocher, pardon. Alors, il me faut euh, Les clôtures là. Il me semble que j'en ai. Ah, ben oui, voilà, clôture en boulot. Une chance qu'il m'en. Ben, que, que j'en avais encore un. Parce que c'est grâce à ça que je pourrais l'accrocher. Je <laughs> pas besoin de confectionner d'autres trucs, amigo. Non, mais ma maison là, quand même grande, il faut l'avouer. Hein? Alors, je vais poser ça au milieu, exactement au milieu. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, je peux pas vraiment poser ça au milieu. Alors, on va mettre ça là, hein. Ouais, ok, c'est bon. Et là, on va faire comme si c'est vraiment au milieu. Ah! Voilà! Et ensuite, euh. Faudrait que je me confectionne des étagères, hein Ce que je voulais faire au début, c'est mettre une tonne de cartes dans mon walk-in, dans la cuisine. Mais j'ai décidé de faire autre chose. J'ai cherché un tutoriel en ligne pour faire des étagères. Et il y a un tutoriel qui m'a appris à faire ça. Et c'est trop magnifique Vous allez voir, je crois que vous savez comment le faire, là. Mais bon, en gros, il me faut des escaliers. Je crois que 40 escaliers, ça va être correct. Hein? Peut-être que c'est même pas assez. Je ne sais pas ça à 100%, mais bon. En tout cas, ensuite, on va prendre ça. On va faire... Euh 6 dalles? Est-ce que ça c'est. Non, je crois qu'il me faut au moins 9 dalles. Ouais, ok, quelque chose comme ça, ça va être si Et là, pour pouvoir confectionner ce truc, ça va être difficile, mais qui ne tente rien à rien. Donc, en gros, il faut faire euh, ceci. C'est Pas. Et là, ceci comme ça. Et là, je vais me créer un autre truc à côté. Ah, euh... oh, c'est collé au mur! Oh, c'est ça, moi j'avais un peu plus d'espace. Eh, Peut-être que je devrais coller les étagères pour faire euh, plus d'espace. Ouais, deux sets d'étagères comme ça. Oh, et intéressant. En gros, il faut continuer comme ça. Oh, pardon. Papa. Papa. Euh, je sais pas si je vais faire quatre étages ou trois étages. Je crois que je vais faire quatre étages, hein? Ouais? Ok, attendez. Oh, yeah! Oh. Ok, non, ça, ça va être dur. Oh! Ok, I did it, my brothers, et euh, Ouais! Il faut avouer que c'est super beau! Et ensuite, en met des dalles! Attendez, je crois que. Aïe, 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 aïe! C'est ça, moi j'avais un escabeau avec moi! Oh! ça savez quoi? Je crois que je vais poser ce bloc juste ici, comme ça c'est beaucoup plus facile, hein! Euh. Oh, ok! Je me suis trompé! Ma bad! Il fallait mettre ça! Ici, comme ça. Ah, ben voilà. Et, ok, j'ai complètement faré mon coup, hein. Ensuite, je fais ça comme ça. Ah, voilà, c'est perfecto. Et là, je me sens un petit peu crampé. Mais oubliez pas, c'est juste un endroit pour stocker des, des boîtes de conserve. Alors, c'est pas si grave que ça. Et peut-être, la, comme la dernière étage, euh, le dernier étage, pardon, n'est pas nécessaire parce qu'on ne voit quasiment rien. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Et ici, euh. Je crois que je vais mettre quelques coffres, hein. Oh, pourquoi pas? Pour compléter le tout, ça va être nice. Alors, en gros, on va mettre, oh, yo, je sais pas ce qui se passe. Ça fait 5 heures que je suis en train de jouer. C'est fou, là. Mais bon, tat, tat, tat. Quatre étages. Voilà. Et pas walk C'est pas si pire que ça. Ensuite, il me faut juste des pancartes pour dire qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres. Mais là, c'est pour quelque chose de plus tard. C'est pour le futur. Parce que je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre dans ces cartes pour l'instant. Alors, il y a quelque chose que je veux faire c'est mettre des items sur ces trucs. Mais il faut que je fasse quelque chose que j'ai découvert en ligne. Faut que je mette les commandes de triche. Je n'ai pas le choix. Alors, je vais les activer juste pour l'instant. Juste pour faire mon projet. Mais à part ça, je les désactive. C'est bon. Alors, les cheats ont été activés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est cheater. Un tout petit peu. Juste pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. En gros, il faut que j'aille ici tôt et que j'écrive quelque chose. J'espère que cela va marcher parce que si cela ne marche pas, je vais pleurer en mon tuto. Haya! Donc, une nouvelle entité porte armure a été invoquée. En gros, je peux poser des objets. Alors, on va commencer par la viande crée. <laughs> ha! Euh... Ça marche, vous n'êtes pas sérieux. Alors, si je fais la même chose ici. Haya! Il y a une nouvelle porte-armure qui sera là et je peux mettre mon chicken, là. Um. Oh my god, lord, c'est trop génial. Encore un dernier coup de pouce. Come on. Oh, c'est tellement dur. Ah, oh, j'ai réussi mon coup, mais enfin, j'ai réussi à mettre la bouffe partout. Regardez, ça va peut-être pourrir. Bon, ok, ça va pas pourrir, mais c'est correct. Et là, <laughs> il y a de la bonne crue. Vancry... Ah, désolé, bonne crue. Il y a de crue à côté de légumes. E eh, eh. Eh hey, écoutez, c'est un garde-manger, on est là et c'est parfait. Je, je, je suis vraiment désolé d'avoir cheaté pour faire ça là, mais écoutez, il fallait vraiment le faire. En tout cas, on passe à l'action ici. Honnêtement, je devais... Me confectionner une belle cuisine. J'ai passé mon temps à faire des trucs stupides ici. Dans une salle de rangement. C'est pas croyable. Il est maintenant temps de se construire un endroit pour manger. Alors, pour ce faire, il faut que je fasse ça. Comme ça, donnez-moi une seconde. Vous allez voir le résultat. Vous allez être comme... Oh boy! Est-ce que t'es sérieuse, my brother? Eh ben, ouais, C'est ça qui est ça. Donc, en gros... haïa, Ça, ce sont mes bas. Ouais! <laughs> Hé, euh, là, c'est juste que je me demande quelque chose. Est-ce que je devrais... Détruire ça? Comme... Laissez un espace. Oh, pardon, pardon. Comme ça, là? Comme ça, ça fait plus réaliste. Hein? Ouais, hein? Comme ça, attendez. En gros, c'est ça. Quatre personnes peuvent s'asseoir pour manger sur le comptoir qui est juste ici. Mais là, si je fais un comptoir en quartz, là. Aïe, aïe, aïe. Oh non, ça se fond dans le décor. On va mettre. Qu'est-ce que je peux utiliser? Et si je mettais du grès à la place? Oh! 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 Là, ça a l'air un petit peu plus beau, hein! Regardez, je peux avoir quatre bonhommes qui s'assoient là et qui peuvent manger tranquille, relax. et Comme un pro, les potos! Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est, euh, j'avais pensé à faire un frigo ici, mais pour l'instant, ce que je vais mettre, c'est, euh, les trucs pour faire cuire la bouffe et tout ça, alors. Hiya! Elle que, hi -ya! Ainsi que hi -ya! Voilà! Les trois, l'un à côté de l'autre. Ce que j'aurais pu faire, c'est les séparer par un bloc, comme je mets le four ici. Je mets un bloc, comme, de je sais pas quoi ici pour les séparer. Je mets le là au fourneau là Vous voyez ce que je veux dire Mais je crois que je préfère Les laisser là comme ça Les trois trucs ici Ouais! 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 Et là après il me faut des étagères et tout là Oh my god! Ho ho Ok! Oh my god! Oh, oh, oh. Okay. oh, oh, oh j'ai complètement bien que ma maison n'était pas terminée hey. Mais bon je crois que pour les accessoires on va attendre un peu Parce que là, cela fait six heures que je joue Et j'avais pas prévu de jouer pendant six heures Mais une chose que j'ai fermé le quartz Parce que là j'ai pu faire des trucs intéressants Ma maison commence à devenir quelque chose. Vous ne trouvez pas Ouais, ça prend du temps. Mais pour avoir une belle maison, euh, il faut travailler fort, les amis. Alors, mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors, personnellement, je suis très, très, très satisfait de mon travail. C'est vrai que ça a pris du temps. Mais bon, pour faire du bon travail, il faut prendre du temps. C'est tout à fait normal. Un travail rocher va être un travail pourri. En tout cas, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, vous abonnez à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!